Oui, mais monsieur le secrétaire général adjoint Rémi Offray, vous n'avez pas répondu à la question première. Et pourquoi vous avez choisi le 5 décembre? Parce que ça, c'est une perte économique assez importante pour la France, pour les commerçants. C'est période de Noël, période de la vente le plus important de tous les commerçants, petits et grands commerçants français, d'un côté. De l'autre côté, des millions de touristes qui vont venir en France. Et juste un moment, on n'a pas réfléchi que ça, c'est contre les entrées de la France et c'est les sites internet qui vendent par le correspondant, ils vont gagner des millions de dollars ou euros. Et le temps, c'est-à-dire le 5 décembre, c'est anti-intérêt national et même on peut dire international, puisque les touristes ont pris leur étage. Pourquoi vous n'avez pas choisi une autre date? Nous en avons assez, nous avons perdu du temps. Ça fait plus d'un an que le gouvernement fait des consultations sans faire aucune proposition. Le commissaire Delevoye a rendu son rapport il y a un peu plus de 3 mois. Le gouvernement est dans l'incapacité de faire ses propositions. Ce n'est pas normal. Il y a eu de nombreuses consultations. Il manque beaucoup, beaucoup de détails dans la réforme, dans le projet de réforme des retraites. Et ce qui est dommageable, c'est que cette méthode de négociation, cette hésitation, cette absence de détails, détails qui ont beaucoup d'importance pour les futurs retraités français et pour les salariés actuels, est dommageable. Nous en arrivons à une situation de lassitude et d'agacement réel. Puisque ça fait longtemps qu'il y a des consultations qui ne semblent servir à rien. Donc je crois que c'est l'aboutissement d'un processus qui n'est pas entièrement satisfaisant. Et nous arrivons à une date, c'est le 5 décembre, ça aurait pu être le 15 décembre, ça aurait peut-être pu être le 15 novembre, mais la date est le résultat d'un timing très long. Et sans réponse du gouvernement, surtout. Oui, Rémi Offray, je vous remercie beaucoup, secrétaire général adjoint de CFTT, mais permettez-moi de vous préciser que vous n'avez pas répondu à la question importante. C'est-à-dire, moi, je pense, c'est David Abbassi qui pense, que vous étiez piégé sans savoir pour piéger le peuple français. Fait le grève au mois de décembre et ça, c'est les e-commerce qui vont gagner de cette grève. Je suis désolé de vous exprimer mon avis, c'est l'avis de David Abbassi. Vous étiez piégé pour prendre en piège le peuple français, le commerçant, puisque le 5 décembre, au moins vous le savez, au mois de décembre, c'est le mois le plus important de business français. Vous pouvez le faire au mois de janvier, février, mars, juillet, août, mois de. À mon avis, les syndicats qui ont fait appel, ils sont piégés, savoir ou sans savoir. Mais je vous remercie beaucoup de préciser que si vous avez des réponses de la part de gouvernement, surtout Premier ministre, cette semaine ou la semaine dernière, vous allez retirer votre avis de grève. Mais encore, j'insiste, vous étiez piégé et vous allez prendre un piège, le peuple français, l'économie française. Pourquoi? Puisque vous faites votre grève dans le mois le plus important de l'année pour les commerçants français, même pour le peuple, pour les usagers, mon cher Rémi Offray, secrétaire général adjoint de CFTT. Merci. Bon, je confirme que l'objectif, ce n'est pas la grève, c'est bien d'avoir des réponses dans les délais les plus rapides, parce que ça fait, au niveau des cheminots de la SNCF, ça fait 15 jours à 3 semaines que nous avons exprimé nos revendications, nos propositions pour une réforme systémique. Nous ne sommes pas opposés à une réforme systémique des retraites. Or, aujourd'hui, nous avons une grande crainte au niveau de la Confédération CFDT, c'est que le gouvernement fasse marche arrière sur une vraie réforme positive systémique des retraites et que finalement on repousse l'âge de départ en retraite, on baisse les pensions et qu'on en arrive à une réforme de paramètres
qui appauvrirait un peu plus les futurs retraités. Donc c'est vraiment un sujet très important. Et pour nous, s'il y a des annonces apaisantes, il est clair que, notamment avec le maintien du régime existant pour les salariés d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la réforme ne serait pas remise en cause pour l'ensemble des salariés, notamment ceux qui sont embauchés à la SNCF à partir du 1er janvier prochain, eh bien nous pouvons faire une réforme utile à tous, encore faut-il que le gouvernement écoute et parle, et ne pas parler par le silence, parce que pour l'instant, nous sommes dans une situation pénible. Nous comprenons bien qu'une grève à la SNCF, ça coûte à la SNCF 40 millions d'euros environ par jour. Et donc, c'est très pénible, y compris pour l'entreprise publique, y compris pour les commerces et pour les citoyens. Et il est clair qu'une grève, c'est pénalisante pour tout le monde, et aussi pour les salariés qui se privent de leur salaire, notamment les cheminots, la RATP et tous ceux qui seront peut-être malheureusement amenés à être en grève. Donc c'est pénible pour tous. Nous, nous considérons qu'il y a encore une possibilité de trouver un apaisement et d'éviter, en tout cas pour la CFDT, d'éviter d'aller en grève. Maintenant, ce n'est pas le cas d'autres organisations syndicales qui souhaitent, dans tous les cas, aller en grève le 5 décembre. Voilà, donc c'est une différence entre organisations syndicales. Maintenant, la date choisie, je l'ai expliqué, c'est vraiment le résultat d'un retard très important dans les échanges et surtout dans l'absence d'annonces, de propositions. Sinon, on n'aurait pas fait, évidemment, début décembre. Voilà. Merci Rémi Offray, secrétaire général adjoint de CFTT Cheminot, la semaine ou la semaine prochaine, pour retirer, puisque ça c'est un acte antinational, anti-intérêt national, puisque le mois de décembre c'est le mois plus important de l'année des commerçants et de peuples français. Je vous remercie beaucoup, Rémi Offray. Merci. Merci David. Merci, bonne soirée. Au revoir. À bientôt, bonne soirée. Au revoir. Voilà, c'était Rémi Offray, secrétaire général cheminot CFTT. Il était honnête, il a bien précisé que si le gouvernement fait satisfaire une partie des demandes de CFTT, ils vont retirer leur avis de grève. Et moi, David Abbassi, votre ami, mes chers amis, je pense qu'il faut tout faire pour que cette grève ne prenne pas de place. J'insiste, oh, je suis comme ça, hein. je suis comme ça, je dis ce que je pense. Ça, c'est un piège, encore un piège, contre la France. Pourquoi? Puisque le mois de décembre, qu'on est pour ou contre Christmas, Noël, Nouvel An, de fête, d'achat, tatati, tatata, c'est le mois le plus important de l'année, que tout le monde va travailler, peut-être la moitié ou un tiers de chiffre d'affaires des commerçants français, ça fait qu'au mois de décembre. Alors, être en otage des syndicats, c'est un piège, parmi d'autres pièges, contre les entrées de la France. J'espère qu'on comprend. Mais vous savez, ça aussi, on ne dit pas. Hein. Il faut parler de ça. Mais le gouvernement, je suis sûr et certain, qu'il va trouver une solution.